Comme chaque semaine, la FGTA Info, représentée par Véronique Delettre et Marie-Claire Dufraux, est à l'initiative de colloques à destination des assistantes maternelles. Cette semaine, c'est à Rennes que l'équipe a posé ses valises. Cet événement est une bonne occasion pour passer en revue différents points fondamentaux comme le contrat de travail, la mensualisation, le décret de mars 2012 et bien d'autres. En bref, une journée à ne pas manquer. Alors, mon ressenti sur la journée, super journée, super intéressante, comme d'habitude. C'est pas la première fois que je viens au colloque FO. Ce que je trouve dommage et regrettable, c'est qu'il n'y ait pas assez d'assistantes maternelles qui viennent. Je trouve ça vraiment regrettable parce qu'on aborde toujours des sujets super importants, super intéressants. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment très très bien, jamais déçu. C'est la deuxième fois que je viens, je me suis adhérée il y a un an déjà et je continuerai à être adhérente parce que vraiment les informations sont trop importantes et qu'il faut se battre pour les assistantes maternelles, c'est important. Aujourd'hui, 17 septembre 2016, le colloque dédié aux assistantes maternelles à Rennes se termine. Et comme d'habitude, nous sommes vraiment très fiers parce que l'assemblée était nombreuse. Les questions furent également nombreuses. Nous avons pu discuter notamment sur le référentiel PMI de mars 2012, où l'on peut voir ici, comme partout ailleurs, que les péricultrices, eh bien, c'est partout, voilà, abus de pouvoir. Donc, ce n'est plus possible. Nous avons décidé, avec les remontées de terrain, d'écrire à Madame la ministre parce que ça suffit. Les assistantes maternelles en ont marre, elles ont déjà moins de travail. Si en plus il y a des abus de pouvoir, ce n'est plus possible dans ce contexte-là. Donc nous sommes vraiment très heureuses d'être venues à Rennes aujourd'hui. J'invite les assistantes maternelles à voter du 28 novembre au 12 décembre pour les TPE et j'invite les assistantes maternelles dijonnaises à nous rejoindre samedi prochain.